Jamshid Al-Kashi, ce qui signifie littéralement le natif de Kashan, est donc né à Kashan, normal, en 1380. Kashan, c'est au nord-ouest de l'Iran. Il est mort à Samarcande en 1429. Ce mathématicien perse est également astronome comme souvent à l'époque et c'est un des derniers grands savants du monde arabe avant que l'Occident prenne le relais à la Renaissance. Mais quel rapport avec Pythagore? On connaît des bribes de la vie d'Al-Kashi à travers la correspondance qu'il a entretenue avec son père. On sait par exemple qu'il a écrit plusieurs traités d'astronomie dans laquelle il s'est lancé après avoir assisté à Kashan à l'éclipse de lune du 2 juin 1406. Mais ses compétences, elles s'expriment surtout sous le règne de Tamerlan, l'empereur turco-mongol. Samarcande, la capitale de l'empire, est dirigée par le petit-fils de Tamerlan, Ulugh Beg, qui est également scientifique et qui demande à Al-Kashi de le rejoindre en 1420 afin de faire rayonner la ville par sa culture. Et là-bas, Al-Kashi participe en particulier à la construction d'un observatoire et poursuit ses travaux parallèlement à l'enseignement. Voici quelques-uns de ses faits d'armes. Il développe l'usage des nombres sexagésimaux, le système en base 60 utilisé par les astronomes babyloniens, grâce auquel il arrive à évaluer pi avec une précision redoutable, 16 décimales, alors que jusque-là, on allait jusqu'à 6. Il faudra même attendre 170 ans pour arriver à 20 décimales seulement. Il participe à la création des tables sultaniennes, des tables trigonométriques très utilisées en astronomie, avec une précision inégalée. Un travail qui sera poursuivi à sa mort par Ulugh Beg. Il a écrit Miftah al-Hizab, la clé de l'arithmétique, une œuvre majeure en 1427 où il expose la notion de fraction décimale, définie par exemple dixième de l'unité, puis les dixièmes du second ordre, nos centièmes. Il solutionne également bon nombre de problèmes en astronomie, en géométrie, en architecture ou en finance, et il donne dans ce même livre une méthode pour extraire les racines énièmes d'un nombre. Rien que ça. Évidemment, on lui doit aussi beaucoup de théorèmes en géométrie, dont le théorème d'Al-Kashi, qu'on appelle aussi théorème de Pythagore généralisé ou règle du cosinus. Alors pour rappel, ce qu'on appelle en France théorème de Pythagore annonce que dans un triangle ABC rectangle en A, on a l'égalité BC carré égale AB carré plus AC carré. Le théorème d'Al-Kashi, lui, généralise cette relation dans un triangle quelconque. Je vous propose ici deux démonstrations, une utilisant le produit scalaire de deux vecteurs, et une deuxième, la trigonométrie de base. Donc ici, on va partir de petit a au carré, c'est-à-dire bc carré, et l'idée, ici, c'est d'exprimer bc carré avec des vecteurs. Bc carré, c'est également vecteur bc au carré. Pourquoi ? Parce que vecteur bc au carré, c'est ce qu'on appelle le carré scalaire, le produit scalaire de bc par lui-même, et par définition, c'est égal à bc fois bc, le vecteur bc étant collinaire avec lui-même. Un petit peu de châle, on décompose bc en ba plus ac. Vu que tout est au carré, on va pouvoir appliquer une identité remarquable. On arrive assez vite à ba au carré, en vecteur bien sûr, plus 2 ba scalaire ac plus ac au carré. BA au carré, en vecteur, c'est la même chose que BA au carré en longueur, donc. Or, le vecteur BA égale à moins un vecteur AB, donc le double produit se transforme en moins 2 AB scalaire AC plus AC au carré en longueur. On se retrouve donc avec petit C au carré plus petit B au carré, moins 2 fois, et le produit scalaire de AB par AC, c'est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Or, les deux normes en présence sont égales à petit c et petit b, ce qui nous permet donc d'arriver à notre fameuse formule. Comme je le disais, la deuxième démonstration fait appel à la trigonométrie du triangle rectangle, elle suppose également le théorème de Pythagore connu. On va distinguer deux cas. Le premier cas, c'est quand l'angle A est aigu. Dans ce cas précis, le pied de la hauteur issu de C est sur le segment AB. Et donc dans le triangle BCH rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'égalité suivante, BC carré égale BH carré plus HC carré. Or BH, c'est AB moins AH, c'est-à-dire petit c moins AH, qu'on va mettre au carré, plus HC carré. Un peu de trigonométrie de base nous permet d'écrire que AH, c'est petit b fois cosinus A.
Et de la même manière, HC, ça va être petit b fois sinus A. Cette trigonométrie, évidemment, s'applique dans le triangle AHC. On développe l'identité remarquable, et en factorisant les deux derniers termes par b carré, on se retrouve avec b carré, facteur de cos carré A plus sinus carré A, relation fondamentale de la trigonométrie, ça vaut 1. Du coup, c carré moins 2bc cos A plus b carré fois 1, d'où notre relation. Dans le cas où A est obtus, le pied de la hauteur H, cette fois-ci, sera l'extérieur du segment AB. Pour autant, la démonstration est sensiblement la même. On joue sur le cosinus L sinus de l'angle 180 degrés moins A pour retomber sur nos pieds. En conclusion, on pourrait aussi parler d'autres formules attribuées à Al-Kashi, hein, tout aussi importantes en géométrie comme celle donnant l'aire d'un triangle quelconque, en fonction de la longueur des côtés et du sinus d'un angle. On pourrait aussi évoquer la célèbre formule des sinus d'Abou el-Rayyan Biruni. Mais ça, c'est une autre histoire.